plus comme l'exige le personnage. Je suis seul et j'ai froid. Froid car je suis tout nu, mais aussi je suis en nage, car j'ai peur que l'autre m'entrevoie. L'autre c'est lui, celui dont je m'efface depuis plus de 2000 ans déjà, car je suis le ringard du placard, l'amant dans la penderie, celui dont on se marre, celui dont on se rit. Et je promets à tous ceux qui portent cornes de bois que mieux vaut être comme eux que comme moi. Une fois de plus, ainsi que le veut l'usage, il ne se peut pas que je termine la modeste besogne, mais langoureux outrage que la maîtresse et son amant signent. Digne de la plus minable pièce de boulevard, je l'entends, je me lève et je vais au placard, et laissant au divan l'infidèle et le baratin, qu'avant qu'il n'ouvre, elle tente de mettre au point. Je suis le ringard du placard, l'amant dans la penderie, celui dont on se marre, celui dont on se rit. Et je promets à tous ceux qui portent cornes de bois que mieux vaut être comme eux que comme moi. Ringard du placard, amant dans la penderie, celui dont on se marre, celui dont on se rit. Et je promets à tous ceux qui portent cornes de bois que mieux vaut être comme eux que comme moi. Des contrées kabyles, un jour en Orient, elle m'ouvrit son sésame et ses charmes volubiles. À peine eus-je le temps d'apprécier la beauté du nu que les 40 voleurs me tombèrent dessus, épilèrent un à un les quelques poils de mon corps pour m'apprendre à toucher à leur plus beau trésor. Je suis le ringard du placard, l'amant dans la penderie, celui dont on se marre, celui dont on se rit. Et je promets à tous ceux qui portent cornes de bois que mieux vaut être comme eux que comme moi. Ringard du placard, amant dans la penderie, celui dont on se marre, celui dont on se rit. Et je promets à tous ceux qui portent cornes de bois que mieux vaut être comme eux que comme moi. Là je suis inquiet, cela fait bien 4 jours que je pends mollement sur mon cintre. Et dans le vestiaire, j'attends que l'époux reparte enfin en voyage d'affaires. Une main me touche, je frissonne. J'entends qu'on murmure dans le placard et je m'étonne. Une voix grave d'homme m'adresse des salutations dénuées de politesse. Je suis ici, me dit la voix pleine de fièvre. Je suis ici pour vous dire ma colère. Vous êtes un imposteur, je suis le seul maître. Je me présente, je m'appelle Jean Lefebvre. Je suis le ringard du placard, l'amant dans la penderie, celui dont on se marre, celui dont on se rit. Et je promets sur la tête de ta mère que je suis le seul Highlander de l'adultère. Ringard du placard, amant dans la penderie, celui dont on se marre, celui dont on se rit. Et je promets sur la tête de ta mère que je suis le seul Highlander de l'adultère. Ringard du placard, amant dans la penderie, celui dont on se marre, celui dont on se rit. Et je promets sur la tête de ta mère que je suis le seul Highlander de l'adultère. Une fois de plus, comme l'exige le personnage, je suis seul et j'ai froid. Froid car je suis tout nu, mais aussi je suis en rage. Entre mes 4 planches de bois, Jean Lefebvre m'a tué. Et j'attends de savoir si les dieux m'ont réservé un placard.